C'est vrai que beaucoup de personnes disent qu'on ne mange pas route, on ne mange pas pont. Mais vous venez de constater que lorsqu'on n'a pas de route, on n'a pas de pont, on a une entrave à la circulation. Et cette entrave à la circulation renchérit le coût donc des marchandises, renchérit donc le coût du transport. Donc au niveau du programme social du gouvernement, le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'amélioration des conditions de circulation, donc des populations, de sorte que si les routes sont bonnes, les marchandises peuvent arriver plus aisément sur les marchés, ça va arriver en bon état. Si vous avez un chargement de camions de bananes qui peut arriver entièrement à Abidjan sans que la moitié ne pourrisse, évidemment, les prix vont baisser.